accueillir ici le banquet musical qui n'est pas un inconnu dans le site. Je passe la parole à Patrick Foch. Merci Denisel. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette heure musicale particulière. Particulière parce que chaque fois qu'on parle musique ancienne, j'aime beaucoup cela parce que c'est un peu un retour dans le temps. On peut dire pour les musiciens sans doute un retour en source parce qu'on ne peut pas bien comprendre la musique classique et la musique romantique si on n'a pas un jour ou l'autre été intéressé par cette écriture et principalement ce qui nous intéresse aujourd'hui à la fin du 17e et du 18e et même un peu au-delà avec donc cette heure de musique ancienne que nous aurons avec des compositeurs italiens et allemands, mais je pense que les musiciens eux-mêmes nous en parleront bien mieux que moi. En tout cas, c'est une formation tout à fait authentique. Original ici aussi aux heures musicales, parce que ce n'est pas si souvent que nous avons la musique ancienne. Nous pouvons en avoir grâce au Conservatoire de Mulhouse et à Elisabeth et Marie-Gélis qui font beaucoup pour la musique ancienne au Conservatoire, et également en présentant avec le Conservatoire de Belfort. Et aujourd'hui, c'est le banquet musical, donc des artistes bien d'ici qui vont vous présenter un répertoire que vous connaissez peut-être, parce que des fois certains airs ont traversé le temps, sont parvenus juste à vous, et peut-être il y a des pièces tout à fait originales que vous allez découvrir. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir en la compagnie. Bonsoir, à l'interview, je suis le responsable de cette formation. Patrick vient de nous dire, il y a des airs, oui, pour traverser le temps, on l'a un tout petit peu fait exprès pour vous réveiller, au cas où... le banquet musical est à Mulhouse depuis une bonne quinzaine d'années. Nous avons pris un peu de temps, un tout petit peu de confiance de se présenter. Vous voyez, on entend le bruit. C'est parce que, en fait, ce sont des petites formations. Chaque instrumentiste est chanteur et soliste pour lui. Et ça fait sa vie de chambre. Et nous avons quand même. Un volume aussi grand. Mais pour l'art musical, et pour les habitués dont je suis depuis qu'elles existent, ces heures musicales, on a quand même décidé de faire cet essai cet après-midi. Donc, vous deux pourrez des fois dresser l'oreille, parce que les instruments sont des instruments d'époque qui n'ont pas la puissance de celle qu'on entend dans les orchestres. Voilà, merci, bonne musique ancienne. Thank you.
Thank you.
Thank you.
concert. Ce programme très éclectique et par ailleurs un programme qui comprenait pas mal de pièces qui étaient inédites dans ce temps. Alors merci à lui. Et il est toujours le bienvenu dans ce temps, n'est-ce pas? Alors je vous invite à applaudir encore une fois, bien fort.